célèbre film Quatre garçons dans le vent, A Hard Day's Night, qui vous donnera le plaisir de rencontrer Richard Lester. Richard Lester sera là pour la discussion cette fois-ci. Hein. Hier, il était là pour la présentation. Ce soir, ce sera pour la discussion. Donc, vous demanderez de ne pas quitter la salle à la fin du film et de profiter de la présence de Lester qui a été très apprécié déjà dans, hier et cet après-midi au Carré d'Art. D'ailleurs, Lester présentera ou discutera avec vous sur les deux autres films qui sont prévus demain à Carré d'Art. Voilà. Je vous rappelle que demain matin, il y a... bon, quelqu'un va me passer un programme, ce sera plus facile. Demain matin, il y a donc des séances au Carré d'Art, d'abord In Which We Serve, qui poursuit notre rétrospective à Attenborough. Et puis, l'après-midi sera essentiellement consacré à Lester avec deux films, How I Won the War, un film sur la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, c'est le cas aussi de In Which We Serve. Hein. Donc, le tout premier Attenborough et I Won the War, le film dans lequel Richard Lester a de nouveau embauché John Lennon, le seul des Beatles là. Ainsi que Petulia avec Julie Christie, qui est un film que Lester, lorsque je lui ai proposé le programme, m'a dit oui, Petulia, c'est mon film préféré. Voilà. Donc il était content qu'on passe et il dit que c'est une bonne conclusion d'un cycle sur les 60s en Angleterre, bien que ça se passe pas en Angleterre. Bon, voilà. Ensuite, on retombe dans le thème de la Première Guerre mondiale avec Regeneration et le metteur en scène sera là aussi pour la discussion. C'est un très beau film sur les prisonniers, les victimes de la Première Guerre mondiale et les grands blessés qui sont soignés dans un hôpital du nord, en Écosse, et qui sont soignés là essentiellement pour des traumatismes psychologiques. Et c'est l'occasion aussi dans ce film de découvrir les personnages des poètes de la guerre, qui sont interprétés évidemment par des acteurs, mais qui seront le thème le lendemain, à la fois de la lecture de poèmes l'après-midi et de la table ronde ensuite avec ces mêmes intervenants, c'est-à-dire deux metteurs en scène britanniques, un historien et une archiviste. Voilà. Ce que je voulais vous dire sur le programme, et évidemment, le dernier jour de festival, le dimanche, sera entièrement ici, avec trois films, et en laissant une large place aux films d'animation britanniques, mais des films qui sont pour tout public. Voilà. Merci. Je ne vous parlerai pas de Hard Day's Night. Je vais laisser le soin à Lester tout à l'heure de s'entretenir avec vous de ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.